Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai terminé la mini commode pour la machine à coudre pour Betty qui me l'a commandée. Je l'ai terminée donc hier. Donc certaines d'entre vous l'ont déjà vu en photo sur mon Facebook, sur le Facebook de la boutique également. Et donc je vais vous le montrer aujourd'hui. Alors, vous allez voir à la suite, donc la suite de la fabrication de la commode. Mais vous ne verrez pas jusqu'au bout. J'en suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec mon téléphone, mais bon, il me manque là une partie de vidéo. Ça ne s'est pas du tout filmé. Donc vous ne voyez pas le gainage intérieur des tiroirs et puis un petit peu je sais plus ce qui me manque, mais bon, c'est vraiment la fin de la construction de la commode. J'en suis vraiment désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, je ne pouvais pas redémonter la commode pour refilmer. Donc voilà. Donc là, je vais vous la montrer déjà, avant que vous voyez le reste de la vidéo que j'avais filmée. Donc, la voici. Alors là, les couleurs là et là, c'est pas blanc. Hein, parce que déjà, sur Facebook, on m'avait dit qu'on voyait un peu blanc. Mais c'est vrai qu'avec les lumières et puis quand j'avais fait en photo, c'est vrai que ça faisait un peu blanc. Mais c'est pas blanc. Là, je ne sais pas si j'allume une autre lumière, si on voit mieux. Oui, ben écoutez, dis, si tu allumais ta prise, ce serait mieux. Non, c'est pire. Voilà. Alors, donc c'est Parme. Hein, c'est un Parme clair, mais il est un petit peu plus foncé que ce qu'on voit là sur l'écran. Donc là voilà, hop, derrière, là, la petite étiquette marquée fait main, le dessous, j'ai les tiroirs qui s'ouvrent, et les petits tiroirs. Alors vous vous rappelez, j'en avais déjà fait une qui était dans les tons orangé, marron, mais qui ici n'avait qu'un seul tiroir, un grand tiroir de cette grandeur-là. Là, la personne m'a demandé de lui en faire deux, donc j'en ai fait deux. Mais le modèle de référence, lui, a un seul grand tiroir. Voilà. Donc, le premier petit tiroir, pour y mettre des petits ciseaux, les aiguilles de machine à coudre, le petit dé, ce qu'on veut. Hein. Le petit tournevis de la machine à coudre aussi, voilà. Ici, un tiroir avec un rack pour ranger les canettes de la machine à coudre. Donc là, on peut en mettre 25. Et le tiroir en dessous, également, on peut mettre 25 canettes. Voilà, au moins comme ça, vous ne cherchez plus après vos canettes. Elles sont bien rangées. Vous voyez bien tout de suite les couleurs de vos canettes. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête à chercher les canettes et puis qu'elles se défilent dans votre boîte. Et on a toutes connu ça, hein, les filles. Et donc, les deux grands tiroirs, voilà, ici, pour y ranger les bobines de fil. Voilà, donc j'ai changé aussi le modèle de poignée. Là, j'ai mis des poignées, des demi, c'est des demi-rondes, hein, des bombées. Voilà, ça change un petit peu. Avec les protections à tous les coins de tiroir, hein, pour pas que ça s'abîme. Une petite fantaisie sur le dessus, un petit ruban, et j'ai fait un petit rappel là sur le devant. Voilà, donc voilà la petite commode pour aller près de la machine à coudre. Voilà. Je pense que je vais, bon, pas tout de suite parce que là j'ai pas le temps, mais je pense que je m'en ferai une. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais quand j'aurai 5 minutes, je vais m'en faire une pour moi. Mais bon, on verra plus tard. Voilà, il y a encore des petits bouts de fil et de tissu qui traînent un petit peu.
Donc voilà, là, elle va bientôt partir chez sa nouvelle propriétaire. Donc Betty, si tu passes par là, ben, merci encore une fois pour ta commande. Je sais que tu l'as vue en photo, puisque je t'ai envoyé les photos, je sais qu'elle te plaît beaucoup. Et ben, quand tu la verras en vrai, j'espère qu'elle te plaira encore plus et qu'elle te sera d'une grande utilité près de ta machine à coudre. Voilà. Donc voilà, les filles. Donc je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo à la fin. Donc encore toutes mes excuses pour le petit morceau qui va manquer. Mais c'est vraiment involontaire de ma part. J'avais pourtant bien appuyé sur le bouton. Et ça n'a pas filmé. Et c'est pas parce qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis, je ne peux plus revenir en arrière. Donc là, la prochaine commande, ben là, je vais la commencer lundi, la prochaine commande, parce que là, on est vendredi, je vais faire relâche ce week-end. Je vais finir, enfin, essayer de finir mon diamond painting. Et lundi, j'attaque donc ma nouvelle commande qui sera les bois de gigogne. Là, donc j'ai trois bois de gigogne à faire. Donc les tissus, alors je vais vous montrer les tissus. Alors là, elles vont être toutes les trois du même tissu. Donc c'est un tissu que vous avez déjà vu, hein, j'ai déjà fait les créations avec. Donc rose avec les petites fleurs blanches, comme ceci. Et le rose comme ceci. Voilà. Donc voilà la couleur des bois de gigogne que je vais faire la semaine prochaine. Prochaine, pardon. Et ensuite, j'ai une boîte à clés à faire. Et après, j'aurai une grande boîte de livres à faire. Voilà. Donc là, un grand modèle, pas celle que je fais d'habitude. Un modèle beaucoup plus grand. Donc là, que je ferai. Hop, voilà. Donc courant février. Puisque je crois, si je me rappelle bien, je crois que c'est pour la fin février, donc là j'ai un peu de temps pour le faire. Et donc voilà. Bon, celles qui ont mon Facebook, bah, n'hésitez pas si vous voulez des boîtes, bon, sachant que là j'ai des commandes, mais je vous les ferai après, il n'y a pas de souci. J'ai mis hier des combos de tissus, donc des combinaisons de couleurs de tissus avec lesquelles je peux vous faire des créations. Donc si vous voulez passer commande, ben, allez voir déjà les trois combos que j'ai. Et si ça vous plaît, ben, écoutez, passez-moi commande. Celles qui sont ici sur YouTube et qui n'ont pas de Facebook, je vais vous faire un article dans la communauté. Enfin, je vais vous faire trois articles puisque sur la communauté de YouTube, on ne peut mettre qu'une seule photo à la fois. C'est bien dommage. Donc, je vais vous faire trois articles dans la communauté. Hein. Quand vous êtes sur ma chaîne, vous regardez la barre en haut où c'est marqué accueil, vidéo, vous avez communauté. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez y aller régulièrement. Hein. Je mets régulièrement des articles là aussi sur lesquels vous pouvez me laisser des commentaires. Donc, je vais vous mettre aussi les combos de couleurs des nouveaux tissus que j'ai. Comme ça, si vous voulez me passer une commande pour une boîte, ben, vous pouvez le faire aussi. Et dans ce cas-là, vous m'envoyez un email pour les... Pour qu'on se mette d'accord. Voilà. Pff, je cherche mon mot, mais je ne le trouve pas. Voilà, ben, enfin, vous m'avez compris. Donc voilà. Ben, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et je vous remets les quelques photos de la boîte complètement à la fin. Comme ça, vous restez jusqu'au bout. Voilà. Pour celles qui n'auraient pas vu encore, bah justement, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans la communauté, il y aura bientôt un concours. Bon, je n'ai pas la date encore parce que j'attends de recevoir le lot. Donc, j'attends de recevoir le lot pour mettre la date. Il y aura un nouveau concours pour le diamond painting, donc avec un kit que j'ai choisi moi-même, un grand kit qui fera 50 cm sur 70 cm. Hein, donc vous savez que moi je choisis toujours des grands kits,
Hein, je veux pas faire gagner les petits kits, ça sert à rien. De toute façon, c'est moche, les petits. Donc dès que je le reçois, ben je vous ferai une vidéo bien sûr pour annoncer le concours. Et bon, comme d'habitude, de toute façon, voilà. Pareil, n'hésitez pas non plus à aller dans la communauté pour voir de temps en temps. Je vous fais découvrir des nouvelles chaînes, des chaînes d'amis, des chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi dans la communauté pour découvrir ces chaînes et aller leur rendre visite, vous abonner à leur chaîne. Là, en ce moment, il y a la chaîne de Flora 89200, si je ne me trompe pas, mais bon, vous regardez la communauté, je l'ai mis. Il y a la chaîne de Alexandra Fontaine, la passion du DP, la passion du DP. Donc, je vous les ai mis. Il y a aussi la chaîne de Sylvie Poulain. Voilà, donc allez voir ces chaînes, allez vous abonner. Elle mérite d'être qu'on s'y abonne, hein. Il n'y a pas de souci. Avec un petit plus, Flora, bientôt, elle attend ses 1000 abonnés qui vont bientôt arriver. Là, elle est à 920 abonnés, là, à l'heure que je vous parle, je crois. Dès qu'elle a ses 1000 abonnés, elle fait un concours. Donc, normalement, il y aura plus de 5, peut-être 6 gagnants au concours. Ce sera un concours spécial Diamond Painting. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et puis à participer au concours. Mais après le concours, n'allez pas vous désabonner hein, quand même. C'est pas sympa sinon. La chaîne d'Alexandra, pareil. Elle a un concours actuellement pour ses 100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Pareil, elle fait gagner un superbe kit de Diamond Painting. Voilà. Bon, ben, j'ai dit toute ma petite actualité des copines. J'ai dit la mienne. Voilà. Et donc, je peux vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.
Thank you.